Le bombardier H-6K est un avion développé par la Chine. Son développement provient de plusieurs modifications qui remontent au Tu-16 de l'ex-Union soviétique. Le colonel Wei Xiaogang déclare avoir suivi un entraînement rigoureux pour piloter l'avion. Si vous voulez être plus rapide et maîtriser davantage de compétences, vous devez utiliser votre temps libre et faire plus d'efforts que les autres. Nos avions s'améliorent à chaque génération. Bien que ce H-6K ressemble au H-6, il a subi des changements importants. Cependant, le colonel Wei n'est pas qu'un simple pilote. Il est également instructeur de vol et a entraîné plusieurs générations d'aviateurs. Par rapport aux élèves d'il y a 20 ans, les élèves actuels ont un niveau d'éducation plus élevé, des horizons plus larges, une pensée plus active et une meilleure capacité d'apprentissage. Cependant, leurs personnalités sont plus marquées. Notre travail consiste à utiliser différentes méthodes en fonction de leurs différentes personnalités pour les aider à progresser et acquérir des compétences de combat le plus rapidement possible. Outre le H-6K, les avions présentés lors de la journée Portes ouvertes témoignent des améliorations apportées par l'armée de l'air de l'APL depuis 70 ans, passant de l'importation d'équipements à l'innovation. L'armée de l'air de l'APL fait preuve d'ouverture stratégique et nos activités montrent que nous devenons de plus en plus confiants. En fait, l'armée de l'air de l'APL s'est toujours présentée sous différentes formes. La journée Portes ouvertes n'est qu'une des nombreuses occasions de présenter les troupes disciplinées de l'APL, ses équipements de pointe et sa capacité à répondre aux exigences stratégiques de la modernisation militaire. Le secrétaire général du parti Xi Jinping a appelé à un développement de haute qualité des forces armées. Il a exigé des efforts dans la construction d'un système de gouvernance moderne pour les forces armées afin de fournir une garantie solide pour atteindre les objectifs du centenaire de l'APL. L'héroïque armée populaire a toujours résolument obéi aux ordres du parti, forgé des troupes d'élite et apporté des contributions immortelles à l'indépendance nationale, à la libération du peuple et à la prospérité nationale. En 96 ans d'efforts, l'APL est devenue une force solide pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationale et maintenir la paix et la stabilité dans le monde.